vous. Un super écran plutôt fin et doté d'un ordinateur plutôt performant. Et bien là, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter un produit de la marque MSI. Il s'agit donc d'un écran qui est plutôt fin. On va voir ça ensemble, les caractéristiques juste après. Il est un peu plus épais ici, puisqu'en fait, il y a un ordinateur directement intégré à l'arrière de l'écran et c'est vraiment intéressant. Il se nomme donc le MSI Pro 24X10M. Une très très belle finition, un peu côté métallique à l'arrière, avec un magnifique pied, vraiment une installation très rapide. Mais je tenais à préciser déjà que juste en touchant le produit ici, au niveau du hardware, au niveau vraiment de son design aussi, vraiment on sent en tout cas que... Il y a du bon matos. Bon allez, c'est parti pour les caractéristiques. Comme je te dis, le PC All-in-One MSI Pro 24X10M023EU. Donc il est dédié, alors ils disent pour un usage professionnel ou ça peut être aussi personnel. En fait, tout simplement, c'est pour de la bureautique. Tu souhaites faire aussi du traitement texte, ça peut être du Word, du Excel, enfin vraiment là-dessus, tu n'auras aucun problème. Mais vraiment, c'est dans le cas de la bureautique. Donc pas de jeux vidéo ici, c'est pas fait pour. Il dispose donc d'une dalle IPS de 23,8 pouces en résolution Full HD, donc du 1920 x 1080 pixels, donc c'est vraiment bien. Voilà, c'est correct, c'est ce qu'on attend aujourd'hui aussi au niveau d'un écran. Mais en tout cas, je trouve que, et c'est ce qu'on va voir juste après, au niveau de la bordure, bah il y a très peu de bordure et c'est très agréable à utiliser cet écran là en tout cas c'est plutôt immersif. On a un processeur Intel Core i5 couplé, on va pas non plus épiloguer là dessus de 10e génération, donc ça aussi c'est très bien. Au niveau de la RAM, on retrouve 8 Go de RAM en tout cas ici. Alors ce sont deux barrettes DDR4, donc deux barrettes de 4 gigabits de RAM, donc ça si jamais tu es intéressé, et donc un stockage de 512 Go en SSD. La finesse de l'écran et non le bas, parce que vu qu'on retrouve aussi l'ordinateur, on retrouve aussi un petit haut-parleur. Alors concernant l'haut-parleur, on va faire un test, mais tu verras que c'est vraiment pour dépanner, c'est pas ouf l'haut-parleur, mais pourquoi pas. Ensuite, quand je l'ai sorti du carton, que vraiment il y avait de la qualité, que c'était un produit qui allait donner un bon petit boost, et j'aime beaucoup vraiment sa finition. C'est assez rare, mais c'est vrai, par exemple les autres écrans que j'ai reçus de la marque MSI, après c'est pas du tout la même gamme et le même prix, bah c'était du plastique tout simplement, et moi honnêtement ça me gêne pas. Mais c'est vrai qu'ici, avoir un produit comme ça un peu métallique, bah voilà, franchement la finition c'est juste magnifique. On retrouve donc un système de refroidissement exclusivement donc ici proposé par MSI. Ils appellent ça le Silent Pro Cooling, et donc globalement tu te retrouves avec un bruit sonore de 28 décibels. Alors c'est un petit peu moins, mais on va arrondir à 28 décibels. Il est compatible alors VESA, donc 75x75, c'est pour le fixer si jamais tu le souhaites sur un bras ou sur un mur. Alors si on regarde au niveau des connectiques, donc à l'arrière de l'ordinateur, on retrouve donc deux USB 3.1, donc Gen 2, donc type A, une entrée audio, une sortie audio, donc il y a bien une prise jack 3,5 mm. Tu vas retrouver aussi une entrée d'alimentation, le verrou Kingston, ça on verra peut-être après, le connecteur RJ45, il y en a deux. Alors tout simplement si tu souhaites faire un réseau local ou si tu souhaites te connecter aussi en même temps à internet. Tu vas retrouver donc un port HDMI, donc si jamais, deux USB 3.1 Gen 1 type A, donc ça aussi c'est plutôt bon, et deux USB 2.0, et une baie donc 2,5 pouces. Je crois de mémoire c'était 4 kg et quelques avec le pied, donc c'est quand même un bon poids, mais j'aime bien franchement. Il est il a un bon poids, il est très très joli comme ça. Si on regarde l'arrière, vraiment très très sympa. On a tous les ports. Alors c'est vrai que par contre les ports ils sont sur un côté. Et moi lorsque je vais vouloir utiliser ma souris, j'aime bien le câble, en fait il est attaché, il a enroulé mon câble de la souris. J'essaie d'éviter d'avoir un minimum en tout cas on va dire de câbles qui pendent partout. Et donc vu qu'on retrouve forcément les ports USB et bien d'un côté, il va falloir que je déplie un petit peu mon câble pour qu'il aille ici. Mais en soi après c'est pas non plus hyper gênant. Et bien c'est parti, on se retrouve tout de suite pour une phase test. Je vais mettre le câble d'alimentation qui se situe, en tout cas le port ici, et puis donc deux câbles à côté, puisque moi j'ai deux ports USB que je vais emprunter.
une pour le clavier bien entendu et une autre pour la souris. Alors par exemple ici, on entend, il ventile bien parce que j'ai effectué pas mal de tests juste avant. Et on sent qu'il est il a bien tourné. Et donc on entend le bruit, on va dire un maximum, on est un peu en dessous de 30 décibels. Ce qui est pas forcément dérangeant. Voilà, donc on a le joli pied qui est vraiment très très joli. L'installation en tout cas a été très rapide. Donc on sent que la chaleur se dissipe un petit peu. Donc ça c'est bien. J'adore la matière, la finesse aussi, vraiment c'est... Oh là là, regarde-moi ça là. Comment c'est? C'est juste très très joli. On se retrouve comme d'habitude devant l'écran. Alors si jamais ça fait des petits pixels, c'est parce qu'en fait j'ai souhaité pour que tu puisses aussi entendre à côté le bruit de la ventilation. Si jamais, eh bien filmer l'écran de l'ordinateur et non filmer directement depuis un logiciel et tout. Au moins là comme ça tu vois réellement qu'est-ce que ça donne. Bien entendu ça fait un petit temps que je teste le produit. Donc ici c'est juste pour te montrer au niveau de ses performances. Donc on ouvre le gestionnaire de tâches et si on regarde donc ici on a donc le processeur. Le processeur qui est vraiment très propre je trouve en tout cas. Pas de grandes difficultés, vraiment il tourne bien. Même là il est cadencé à 3,5 GHz. Au niveau de la mémoire, comme on a pu voir, on a les 8 Go de RAM, donc ça va vite se remplir. Si jamais tu utilises des logiciels très gourmands comme ici, c'est ce qu'on va faire. Mais en tout cas, vraiment très très propre. Bon, le son c'est pas ouf, mais ça dépanne. Voilà, ça dépanne. Ouais, c'est pas ouf. Et si jamais... Au moins, ça peut te dépanner. Mais c'était quelque chose que je voulais te montrer parce que... Bon, au début, j'étais très curieux. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des haut-parleurs? Et en tout cas, c'est le cas. Alors après, bon, le son, ça dépend de ce que tu souhaites faire exactement. Mais ça dépanne bien. On va aussi ouvrir donc... des bannières en PSD, donc tout simplement on va utiliser du Photoshop et on va aussi utiliser, alors attends c'est bon hein, Coco tu peux directement l'ouvrir, on va utiliser de l'Illustrator, donc c'est de la suite Adobe, des logiciels plutôt gourmands aussi hein, qui demandent un petit peu de RAM et puis c'est surtout au niveau du pros en fait de le mettre dans un bon état un peu de stress. Pour voir s'il peut gérer tout ça. D'ailleurs, ici on a mon intro, enfin mon intro, ma bannière, donc sur YouTube. Donc là on l'a ouvert en PSD. On va l'ouvrir aussi parce que on est grave bien et on est chaud patate. On va l'ouvrir tout simplement avec Illustrator, puisque de base je crois d'ailleurs c'est avec Illustrator que ça se fait. Mais au moins comme ça on aura ouvert les deux fichiers. On va aller aussi sur internet, on va aller donc sur notre site favori, la plateforme, la meilleure plateforme qui est YouTube. On va donc mettre une vidéo, imaginons, quelconque. On a une publicité que je vais désactiver. Et donc, est-ce que c'est des images en 4K? Non, c'est de la musique. Alors, on peut laisser ça. Voilà, tac. Alors après je peux pas avec les copyrights. On va ouvrir un nouvel onglet. On va mettre 4K. Alors en soi ça sert pas à grand chose parce que forcément l'écran n'est pas fait pour. Mais c'est vraiment pour te montrer qu'on peut ouvrir pas mal de fichiers assez gourmands, de pages gourmandes. Allez, on va mettre en 1080 x 60. Tu vois la qualité vraiment. Donc là c'est vraiment une petite parenthèse, mais c'était aussi un très bon angle. Le champ de vision est vraiment bien. Tu peux te mettre sur le côté, tu vois, et ça va pas impacter, on va dire, la qualité, la luminosité et tout. Donc, vraiment, avec cette petite bordure là, c'est très très sympa. Et puis, on va ouvrir une autre page YouTube et on va mettre live, live musique. Bon, juste un live en fait, c'est ce qui nous intéresse. Allez, on va mettre ça. Ça monte direct les fesses. On a alors ça, donc il y a le live qui est ouvert. On va donc ici ouvrir normalement, tu vas m'ouvrir le Illustrator. On a Photoshop aussi qui est ouvert.
On a donc 3 pages internet, dont un live qui est ouvert, une vidéo qui va tourner un peu, on va la mettre en boucle en 4K, et on a une longue vidéo de musique. Et puis on a aussi le logiciel de montage vidéo. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, vu qu'on est très gourmand, on va lui demander aussi, on va ouvrir de la musique, un fichier audio pour le fun. Je sais pas si je peux ouvrir un fichier aussi, ouais, vidéo en même temps, on va le mettre en boucle. On va donc demander, parce que on n'est pas gentil, on va demander du 1920x1080, 120p, donc très propre, en 60 mégabits par seconde pour celles et ceux qui connaissent, c'est très très bien. On va mettre sur le bureau et on va l'appeler vidéo, tout simplement. Hop! Et on attaque la production, donc c'est là où c'est très très important, on va voir directement si il va tenir un peu le choc ou pas. Alors tout simplement, quand on regarde, on a le PROS qui ici à 100%, donc direct forcément, le logiciel de montage vidéo demande beaucoup. On a donc la mémoire, comme on a pu le voir, on est à 90%, donc là on est quasiment à fond. La Wi-Fi tout, bon, on s'en fout un peu plus, même si c'est quand même assez important, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté, mais on a aussi les lives et tout à côté, donc ça demande un petit peu de ressources. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça a l'air de gérer, parce que je vois aussi que le processeur, il a 100%, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, on a ça. Le temps restant, donc c'est 1 heure, donc ça va, logiquement, parce que j'ai fait pas mal de tests et c'est plutôt correct. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement naviguer un petit peu, on va aller sur Google. Puis on va voir un petit peu ça. Est-ce que ça a l'air d'aller? Ouais. On va mettre Christo Genet. Hop. C'est cool. Google me conseille. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ok. Ça n'a pas l'air d'être laggy, tu vois. C'est plutôt bon signe. D'ailleurs, merci aussi parce que je suis apparu dans le progrès à un moment. Alors attends. Hop. Tac. On prend la photo. La photo de monsieur Christo Lyonnais. Miniature, tac tac, ça a l'air d'être plutôt bien. Hein. Franchement, pourtant j'ai les 3 vidéos là qui tournent normalement, ouais. Ouais, ça tourne et ça tourne aussi. On va sur ma chaîne YouTube, un tout petit laggy. Tac, on va se mettre là. Mais c'est plutôt bien, franchement. Oh là là. En tout cas, cela me fait super plaisir de pouvoir te présenter ce produit plutôt, on va dire, atypique. Ça sort un petit peu du lot et puis c'est la première fois que je te présente un écran de ce style-là. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aussi te donner des points positifs et négatifs. Alors, attention, comme je te l'ai dit, ici, c'est vraiment pas dédié pour le jeu vidéo, mais dans le cas de la bureautique. Et puis, il faut faire attention, faut pas non plus avoir 10... 5, 8 gros logiciels ouverts en même temps, parce que tu vas sentir, bah ici on a 8 gigabits de RAM, on a un bon petit processeur, mais il faut y aller aussi mollo, faut pas non plus demander trop de choses à la fois. Donc on est vraiment sur une solution aussi plutôt, je dirais, haut de gamme, aussi avec sa finition, que ce soit aussi un petit peu avec les caractéristiques, avec un bon stockage, avec 512 gigas de stockage en SSD. On a vraiment des bonnes choses. Et donc concernant son prix, il est donc vendu actuellement à 999,95 € je crois, de mémoire. Enfin bref, 1000 €. Donc ça reste un investissement, ça reste un produit, voilà, pour moi, on va dire même voilà, haut de gamme, et auquel il faut quand même prendre du recul, bien réfléchir, parce que c'est vrai, je t'ai présenté aussi bah, les MSI, les Kubi. Alors certes, c'est juste un mini ordinateur, mais ils peuvent être très intéressants aussi et ils peuvent être un petit peu moins chers. Donc après, voilà, ça dépend des gens. Si tu veux, tu préfères avoir tout compact, tout intégré et après être tranquille, donc là aussi c'est une bonne solution, ou avoir un petit Kubi à côté et un écran aussi comme je t'ai présenté. C'est sûr, après ça prendra un peu plus de place, mais aussi c'était une solution je trouvais aussi très intéressante, qui te permettait aussi de personnaliser tout ça. Donc ça reste à voir. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer la vidéo parce que tu vas kiffer.